Oui, quelle très belle initiative. J'ai été honorée et bénie d'assister à ce dîner. Il y avait une brochette impressionnante de femmes entrepreneurs, de femmes militantes, de femmes acteurs de la société civile et aussi de femmes justement qui sont des acteurs de la transformation dans leurs pays respectifs. Je trouve que avant d'être femme, on est d'abord humain et quelque part ce genre de réunion nous permet de réfléchir sur notre statut d'humain. Ça nous autorise en tant que femme évidemment à nous questionner sur ce que nous pouvons faire, mais ça nous autorise aussi en tant qu'humain à observer, à être témoin, à échanger sur ce qui fait que nous avons envie en permanence d'améliorer l'existant. Nous avons échangé sur l'Afrique de demain, sur les perspectives d'évolution, les nouveaux modèles économiques qu'on peut déployer à travers toute l'Afrique. Le partage d'expériences que j'ai eu aujourd'hui est vraiment révélateur. J'ai compris que la femme africaine est une femme audacieuse, dynamique, qui sait vraiment proposer des solutions innovantes. Il est très important en tant que femme africaine, femmes leaders dans différents domaines, de se rencontrer, de partager nos expériences diverses, de voir quels sont nos défis qu'on a en commun et voir quelles sont les différentes approches pour répondre à ces défis et pour faire évoluer nos sociétés et réaliser les aspirations des Africains d'aujourd'hui et de demain. Et puis, l'occasion aussi de réfléchir sur quelles pourraient être des perspectives communes de collaboration d'entraide et de partage pour le futur. Nous sommes toutes ici mobilisées pour apporter tout notre soutien pour le développement de cette femme africaine, de cette femme marocaine. Nous y travaillons au quotidien, des femmes de la société civile dont je fais partie. En moi, ce qui me concerne, c'est l'entrepreneuriat, c'est d'encourager cette femme marocaine brillante à aller vers son rêve, à créer son entreprise et aussi d'échanger les bonnes pratiques entre nos consoeurs africaines et les femmes marocaines pour pouvoir évoluer ensemble vers une Afrique plus inclusive, une Afrique qui va prendre en considération ces femmes. Elle ne pourra évoluer que si la femme est partie prenante de son écosystème. Et je pense que nous avons toutes besoin de cela de temps à autre, de discuter, d'échanger, voir les unes et les autres ce que d'autres personnes, d'autres ressources peuvent faire, peuvent apporter. Ça permet de renforcer, de rafraîchir un peu la réflexion autour de problématiques individuelles, parfois collectives. Et du coup, disons que ça renforce et renouvelle nos énergies communes et individuelles encore une fois. C'était clair que la question de la femme et la position de la femme dans la société est une question universelle. On a abordé aussi le renforcement de capacité des femmes, le rôle du networking dans la promotion de la femme. Ce sont des pauses qui doivent s'imposer à nous pour pouvoir co-construire et co-développer des programmes à même d'impacter nos pays et contribuer à faire changer les règles du jeu socio-économique. Donc moi, en tant que présidente d'une ONG Togo Environnement Propre et aujourd'hui très, très, très engagée dans la lutte pour l'émancipation de la femme, j'ai initié un projet Femmes Résilientes de la commune du Golfe 7 où le but principal, c'est de sortir beaucoup de femmes de la précarité. Donc, nécessairement les veuves, les personnes âgées, afin de les aider à survivre à travers des activités génératrices de revenus. Donc, merci beaucoup à Madame Danielle. Bien, je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ce petit moment avec des femmes d'exception. Je remercie Danielle pour l'invitation.
Ça nous a permis de nous retrouver. On a partagé un peu notre, on va dire entre parenthèses, notre raison d'être, notre mission de vie. Et c'est magnifique de voir cette ferveur chez les femmes. Donc ça nous rassure quant à l'avenir de l'Afrique, d'avoir autant de femmes ambitieuses, des femmes qui cherchent à aller de l'avant et qui se soutiennent aussi, ce qui est génial. Et voilà, donc. Vraiment, je suis heureuse.